Bâtiment ça que n'a gardé là, il était tombé pendant un tremblement de terre dans le pays Mexique. Suivant spécialiste Ramen Tabatabe, bâtiment écrasé à cause de un phénomène qui relait torsion. Donc, je dis là, c'est ça que nous parlons de plus près dans l'épisode là. Qui ça torsion y? Techniquement parlant, un bâtiment entre en torsion pendant un tremblement de terre, le que centre de masse avec centre de rigidité pas confondu. Qui ça bagaille ça veut dire? Eh bien, nous allons faire une expérience kounya là pour nous capable expliquer ça plus bien. Pour nous montrer ça qui torsion, n'a servi avec dispositif ça. Ce qui ça lié c'est un balançoire. Ça représente des balançoires et puis charge ça représente un monde qui chita dans le mitan balançoire. Nous allons balancer et puis nous allons regarder qui ça va passer. Balançoire à balancer normal. Ça arrivait parce que centre de masse système avec centre de rigidité il était confondu. On nous reprend même expérience là, mais cette fois-ci, au lieu que nous mettions massa dans mi-temps, nous mettions à côté. C'est-à-dire, nous déplacer centre de masse là dans bossa. Où est-ce qu'on va passer? Où est-ce qu'on va nous? Balance soit pas balancé normalement encore. Les plus à fond mouvement comme ça, la vie résolue même. C'est ça qui torsion. Et c'est ça qui arrive des bâtiments dans tout, dans le cas de tremblement de terre, si vous ne prenez pas disposition pour prendre. Je nous saute là, depuis que centre de masse avec centre de rigidité n'a pas confondu, balançoire absorbé. Donc, en plus, on a posé question pour nous là, qui rapport un balançoire gagné avec un bâtiment? Eh bien, un bâtiment, c'est un balançoire tête en bas culi. Planche nous te wè nan balançoire li représente dalle lan et puis fil yo représente colonne avec mieux de cisaillement yo. Donc ça veut dire que nan bâtiment lan si que centre de masse avec centre de rigidité an pas confondu eh bien bâtiment lan risque tordé nan cas de tremblement de terre. Qui sont pral faire ça pour éviter que bâtiment lan tordé nan cas de tremblement de terre. Eh bien principal simple. Faut faire en sorte que centre de masse avec centre de rigidité pour yon confondu. Qui j'en pral faire ça, faut qu'on priorise forme qui symétrique yo dans bâtiment yo. Et symétrique m'a parlé en li à la fois dans chargement yo et puis li à la fois dans géométrie bâtiment. Là nous parler de symétrie dans chargement, ça veut dire que faut pas gagne un bord dans bâtiment qui pilou que l'autre bord. Par exemple, soit font bâtiment côté que bon partie là dans son bibliothèque, si bibliothèque là à long bord à cause que livre nous connaît ou loin pile, ça va nous faire que bon bord dans bâtiment qui pilou que l'autre bord. Là ça torsion qui arrive. Et puis on parle tout de symétrie dans géométrie bâtiment. Ça veut dire que d'abord, faut qu'il y ait symétrie dans plan. Par exemple, une forme comme ça, il y a symétrie dans le plan. Li pi bon que yon forme dans style ça. Forme dans style ça li pas symétrique. Donc phénomène torsion risque arriver. Ensuite faut gen symétrie tout en élévation.
Par exemple, un bâtiment, j'en ai gardé Kounia là, il risque de tordre dans 40 tremblements de terre. Préférez qu'on gagne un bâtiment qui n'a pas de variation en élévation comme ça, qui est juste simple. Donc, nous voyons comment étape conception est importante lorsqu'on fait Kaiwa. Donc, ça veut dire que, j'en nous dis là, sous prendre disposition ça que m'ba ou là yo bâtiment là pas gen chance pour li torder dans cas de tremblement de terre. Mais si toutefois ou vle yon forme qui compliqué pour faire belle design à bâtiment là, ça toujours possible. Mais ça mande plus calcul, tout li mande pour point sucré en plus pour capable faire pour bâtiment pas torder dans cas de tremblement de terre.